Comment créer un compte Viber sans numéro de téléphone? Donc aujourd'hui dans ce tutoriel éclair, je vais vous apprendre comment passer la vérification OTP et avoir un compte vérifié Viber sans avoir de numéro de téléphone. Donc on va sur l'application et on commence. Donc on va faire démarrer. Viber vous demande un numéro de téléphone. Donc, vous allez sur le site getsms.one. C'est un site qui permet la location de numéros de téléphone temporaires. Et donc, c'est vraiment pratique. Vous allez pouvoir avoir un numéro de téléphone uniquement pour Viber. Et donc, ça va être vraiment pas cher. Beaucoup moins cher que d'acheter un vrai numéro de téléphone juste pour ça. Donc, on va voir est-ce que Viber nous autorise à changer de pays. Très bien. On va chercher la Russie parce qu'il y a actuellement une promotion de moins 50% sur la Russie. Donc voilà, très bien. Donc on va chercher Viber dans les services. Donc là vous voyez, vous avez un numéro Viber pour 10 centimes, c'est vraiment donné. Donc là vous enlevez le 7 parce que sinon ça va faire un doublon, il y a déjà le 7 pour le numéro du pays. Vous faites activer. Donc là, ils ne veulent pas parce que sûrement, moi, j'habite en Allemagne et ils détectent que ce n'est pas le même pays. Très bien. Du coup, on va choisir un numéro Allemagne. Donc, c'est à peine plus cher. Voilà. Donc, je vais prendre Germany. Donc, on enlève le 49. Voilà, donc c'était bien ce que je pensais. Souvent, si vous voulez pas de problème, prenez juste le pays dans lequel vous êtes. Vous allez avoir beaucoup moins de problèmes. Voilà, selon où vous êtes, ça peut être un peu plus cher, mais c'est zéro souci. Excellent. Okay, là, on vient de recevoir le code. Numéro, vous avez juste à le coller. Et je vais accélérer voilà, la fin de la création de compte. Et vous voyez qu'on a réussi à créer le compte Viber sans problème, sans numéro de téléphone. Donc si vous avez des questions, vous avez une étape que vous avez trouvée plus ou moins difficile, etc., n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires.